Tous. Salut Pascal. Salut John. Oui, alors dis-moi tout, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente. On a décidé de travailler sur des amplifications, évidemment, guitare. Raconte-moi et tout. Oui, donc aujourd'hui on a choisi de mettre en face à face deux petits amplis qui sont quand même assez populaires hein, oui. Depuis très longtemps chez nous. Encore une fois, on a choisi des amplis, voilà, que vous réclamez déjà, et puis ensuite qui sont des top ventes hein, quand même, hein, des ouais, choses c'est ça. Qui se vendent beaucoup. Hein. Donc voilà, des amplis à lampe. Voilà, deux amplis à lampe, 15 watts. 15 watts. Alors d'un côté, on a le petit Fender Tweed Blues Junior, regarde-le. Oui, il est alors beau. On connaît bien celui-là, tu sais pourquoi? Parce qu'on s'en sert beaucoup dans les vidéos. Exactement. Hein, c'est un ampli qu'on appelle, nous, voilà, c'est à tout faire. Surtout quand on est dans le blues, évidemment dans le métal on oublie, mais dans le blues, dans le rock'n'roll ou dans le jazz, le petit pépère, il fait son boulot. Le Blues okay. Junior 15 watts, du coup, en Laker Tweed. Il est beau comme ça. Il est chouette. Oh, il est beau. Et puis, et à côté, évidemment, on a le Vox en version AC15 C1. Regarde-le. Alors ça, bah, ça c'est... Alors c'est vintage aussi. C'est là. Le Vox, quoi. J'adore. Le Vox, c'est superbe, quoi. Le Tolex, tout, enfin bon, tu vois, la toile, voilà, on est bien dessus. Donc, bon, alors dis-moi tout, alors tu sais que on est bien dans deux mondes différents, dire Vox anglais, oui, et Fender American. American. Ouais. Bon, ok, mais dis-moi tout, je me suis entendu dire que c'était pas fabriqué ni aux États-Unis ni... Ah bah non, monsieur, dans ces tarifs-là aujourd'hui, on peut pas faire de oui. l'américain ou de l'anglais. Donc, on est sur une fabrication mexicaine sur le Mexico, Fender. Mexico, et chinoise ah, pour le Vox. Tu vois? Alors, chinois pour le Vox. Ah bah oui. Ouais, bon, bah écoute, les Chinois, ils savent bosser aussi. Hein. Alors, fabriqué en Chine, mais on sait que, petit aparté, que Vox appartient à la boîte japonaise Korg, je crois. Hein. Oui. Hein, c'est ça. Et Fender, du coup, à Fender. Ça appartient à Fender. Alors, Mex chinois, ouais, des 15 watts, ça des 15 bien. Watts, et attention, avec des lampes de puissance similaires. Voilà. On est bien sur une paire de L84. C'est ça qui nous intéresse un petit peu. Donc, bon, tu sais ce que je vais faire, là. Et puis, déjà, on avait un petit jeu. Alors, je vais jouer. Alors, tu filmes pas, évidemment, mon pedalboard avec mon Abbey Box, puisque là, c'est de la triche. Je vais passer d'un ampli à l'autre en faisant des trucs très, très simples. Et les gens vont essayer de deviner lequel c'est. Voilà. Alors, bon, évidemment, j'ai pris un engin de guerre aussi. Hein, on s'en met pas. Une Fender Custom Shop. Une Custom Shop Dual Mag 2 ouais. en Heavy Relic. Voilà, on en reparlera une fois. Autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir. Attention, tout à l'heure, je changerai de guitare. Ouais. Alors là, je vais commencer par un ampli. Écoute, voilà, à vous de deviner le truc. Et puis, on va aussi parler un peu du rendu sonore. Pas de distorsion dessus, je joue plutôt cool. Que du clean. D'accord. Bon, okay. On filme pas le pedalboard surtout. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, c'est lequel là les gars? Oh. Ah
C'est quel donc l'ampli qui joue? Alors voilà, j'ai pas arrêté de passer d'une amplification à l'autre. Bon, alors moi, on entend bien une différence, hein, les enfants. On va en parler quand même un petit peu, parce que là, je vais aller à vous de deviner, parce qu'on a un cadeau à gagner sur cette partie de vidéo. Et on vous envoie un cadeau, hein, mon Pascal? Oui. Ok. Alors, le truc, c'est de commencer sur le petit jeu. Le premier ampli, c'est lequel? Et le deuxième, juste quand je commence à jouer. Ouais, hein, exactement. Et celui, le premier qui trouve, eh ben, il aura un ch'ti cadeau surprise. Un ch'ti cadeau. Bon, alors, écoute, toi... Eh bien là, je vais me mettre vraiment sur mon AC15 qui est là-bas. Ok. Hein. Donc, mon AC15 qui est là-bas, ben voilà, tu vois. Ah non, pas du tout, excuse-moi. Voilà, voilà. AC15. Hein. On est sur l'AC15. Bon, c'est bien, hein. Avec mon micro manche de voilà. C'est pas le chevalet, ça? Et là, mon micro chevalet, maintenant. Hein. Ça marche très très bien, on est vraiment très blues et tout ça. On voit que sur mon ampli, je vais avoir mon master. Ton volume. Tremolo, reverb, mon top boost, puisque, et volume normal. Mais regardez voilà, bien, parce que ici, je peux avoir mon normal et mon top boost. Voilà. Moi, sur l'Evoque, j'aime bien me brancher dans le top boost, c'est comme ça. Ça granule un peu plus, on a un peu plus de matière derrière. Je ne l'ai pas chargé beaucoup, donc voilà, à l'ancienne, je n'ai pas mis, on va mettre tout ça tout à l'heure avec du volume plus fort. Alors là, je suis bien sur mon petit, je vais y mettre un petit peu de, tu sais, de graillou avec une petite pédale OCD, hein, tu vois, ouais, voilà, tout de suite, ouais. Tout de suite, grain plus fort. Ouais, ça marche. T'envoies la patate, ça? Ça pêche grave. Alors, ça, ces petits amplis sont costauds. Hein. Attention, hein, on est bien sur l'ampli à lampe. Ça envoie. Bon, bah écoute, hein, et, le Vox, ça pour un ampli fabrication chinoise. Qui tourne dans les 700 balles, je crois, un truc comme ça. Hein. C'est ça. Eh bien, écoute, franchement, ça fonctionne. Alors, on va passer sur mon petit Blues Junior, qu'on connaît un peu plus, parce que celui-là, on s'en sert un peu plus souvent. Donc, je suis bien sur dans mon petit copain. Laqueur. Eh bien, le petit copain, on va faire comme son copain, on va faire une petite review là-dessus. J'ai un volume. Ton volume. Très un bol. Fat Boost. Alors, le Fat Boost, oui, qui va nous donner bah, fat du graillou. Basse, des aigus. Mon master et une reverb. Plus simple, reverb. Plus simple que mon Vox, évidemment. Ouais, moins de boutons pour le coup. Pas de trémolo, pas de trucs comme ça. Voilà, on est très simple sur le Blues Junior, mais ça le fait aussi. Un peu plus chaleureux sur les basses. Oui. Hein, t'as vu? Tiens, je fais la même chose, je passe. Parce que, grâce à la petite pédale, je vais passer. Là, je suis sur mon blues. Hein. Box. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal? Dis-moi. Dur, hein, c'est quand même des très chouettes sons clean l'un ou l'autre. Ah, on a bien un son anglais et un son américain, ça c'est sûr. Ouais, remets un coup pour voir. Ouais, attends. Parce que là, comment alors zut alors, hein, je suis toujours sur mon... Tiens, je vais me mettre... voilà, pour voir. Hein. En intermédiaire. Blues Junior. Blues Junior. Ah, bon. Vox. Ouais. Remets-nous un coup de micro-manche pour voir sur les deux, là. Ouais, alors pareil, hein, sur le micro-manche pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Blues Junior. Ouais.
Vox. Un son un peu plus cristallin aigu sur le vox. Ouais. Bon, ça c'est typiquement anglais, hein. Ça c'est sûr que ça bosse comme ça. Hey, moi je te demande ta préférence quand même. Moi ça va être le petit Blue Junior qui apporte quand même une petite profondeur, plus de basse que le vox qui est plus cristallin, qui me plaît un peu moins, mais quand même deux super sons clean en fait. Hein. C'est deux mondes différents. Eh bien, écoute-moi, alors là, tu me laisses te refaire un petit coup. Allez, hein, un coup. Alors, c'est quoi celui-là? Le blues. Vox. Ah, j'aime bien aussi, hein. Ouais. Vox. Tu vois, pour le son avec les basses, surtout sur cette guitare, bah, je préfère le blues. Mmh. Mais certains sons, tu vois, un peu plus. Peut-être plus groovy rock'n'roll, et puis voilà. Hein, Ah, ouais, j'aime bien le. Bah, tu sais quoi? Faut les deux. Ouais, bah, ça y est. Hein, mais... Avec une Abbey Box, ouais. Et puis on met les deux. Bah, et oui. Puis comme ça, tiens, on passe à un autre. Et puis tiens, je vais mettre les deux en même temps. Puis après, je vais changer de guitare. Ouais. Alors là, c'est les deux en même temps. Hein. J'ai peut-être le meilleur des deux mondes là. J'aime bien les deux, hein. Sympa. J'aime bien les deux ensemble. Bon, eh ben quoi, tu sais quoi, je vais, on va changer de son. Changeons de son. Hein, et puis, je change de guitare. Yep. Allez, carrément. Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais, tu vois, je vais changer un petit peu la façon de travailler. Regarde bien ce qui va se passer sur le petit... Je vais baisser un petit peu mon master pour l'enregistrement, mais sur mon volume... Un petit peu de graillou. Là, le graillou. Eh bien, écoute, quand je vais être sur ma bête ici, on va essayer de faire la même chose. C'est-à-dire que là, je baisse un tout petit peu et je mets des... du graillou. Alors, on voit tout de suite que ça pêche un petit peu et que ça envoie du steak. Hein? Alors, et puis, pour envoyer du steak, je vais passer sur des doubles. Une petite Flying V de chez Gibson. De chez Gibson, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que les Flying V de chez Gibson... Alors, le seul problème pour moi, c'est de la jouer assez. C'est un peu le bordel, c'est trek. Blues Junior, hein? J'ai pas de pédale, hein. Ouais, c'est attention, que le hein. Blues Junior. Ok, ok, ça marche du feu de Dieu. Je vais passer sur le petit Vox. Oh yeah! Bah. Ah, j'en passe sur mon Blues Junior un petit peu, voir. Voilà. Oui. Hein. Et là, je vais me mettre son micro neck de ma Flying. Ah, je passe sur le Vox. Alors, j'ai plus d'attaque, j'ai plus de graillon, j'ai plus de. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils sont pas équipés pareil exactement non plus, ces petits amplis.
Ils n'ont pas le même HP. Mais non. Hein, d'un côté, parle-moi de ça. Chez le Vox, on a le petit Greenback, donc G12M qui est là. Dedans. Tu vois. Dedans. Et à côté, oui. Donc un Celestion. Hein, et à côté, on a le Jensen C12N. Mais qui voilà, n'est voilà, pas voilà. du tout la même chose. Non, alors donc vraiment, le son, ça change un petit peu. Mmh. Bon, encore petite préférence, c'est vrai, dans le fond de moi-même, du Blue Junior, parce que c'est comme ça. Mmh. Mais alors, le Vox, il envoie très grave. Hein. J'aime bien ce son un petit peu rugueux, là. Je répète, il n'y a aucune pédale derrière. Alors des fois, on voit des internautes ou des clients qui disent « Bah ouais, mais le Vox, il crunche pas du tout. » Bah, regardez un peu le boulot, hein, avec une Flying V. Et là, je vais y envoyer de l'OCD dedans, en plus. Alors attendez, allez, là, vas-y. Allez, bon, ouais. Là, c'est les doigts qui vont pas, hein. Tiens, dans le même, hey, Blue Junior, pareil, Blue. Hein. Bah, alors, ce que je pourrais dire, c'est que le Vox a presque un son plus moderne avec la, ouais. Hein, avec la Flying. Donc, je vais pouvoir aller boxer des trucs, musique plus actuelle, etc., etc. Mon petit Blue Junior sera moins à l'aise avec une OCD derrière, ouais. Avec des pédales un peu balèzes. C'est pas son truc avec le petit Jensen. Hein, non, hein, Pascal. Non. Moi, je préfère effectivement le Vox avec, quand il est en saturé avec voilà. la Flying V que le Blue Junior. C'est ça, hein. C'est un petit peu différent. Là, je suis sur mon blues encore. Hein. Vox. Ouais, complètement différent hein, sur les deux amplifications. Effectivement, ouais. C'est vrai que le Vox a un son plus anglais, etc. Ils aiment bien la Saturn, les deux, mais bon, voilà, c'est peut-être pas le monde où ils sont le meilleur, hein, mon Pascal. C'est vrai que j'ai un petit peu chargé. Chacun son petit domaine de prédilection. Ouais, ouais. Je pense que, alors, déjà pour commencer, je veux dire que les deux fonctionnent très bien, soit avec du simple, soit avec du double. Oui, ça marche hein, bien. Puisque ouais. Là, sur les pelles, on a bien pris. Les trois simples. Trois simples, deux doubles, bon, voilà, une Strat, une Flying V, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça marche très très bien. En fin de compte, deux amplis de boulot, de travail très intéressant. Il faut les comparer, les prix sont les mêmes. C'est ça qui est important de savoir, c'est vraiment le même tarot hein, sur les amplis. Ma petite préférence, allez, je le répète encore une fois, je mets un point au Blue Junior pour des raisons personnelles, puisque ben voilà, c'est un très bon petit ampli dans les 700 balles. Ouais. Très très bon. Et en deux, je mettrais mon petit Vox. Si je veux un grain plus balèze avec du blues rock un peu plus péchu, tu vois, ouais. Un truc qui envoie un peu le steak, il est évident que je vais attaquer plus avec mon Vox. Ouais. Et toi ? Bah écoute, c'est plus ou moins ça. Je vais dire le son clean jusqu'au crunch chez le Fender. Et puis après, quand on rentre un peu plus dans des l'overdrive distorsion, ouais. On va aller sur le Vox, quoi. Même si en clean, le Vox est sympa, mais ça va être un autre type de clean. Exactement. Mm-hmm. Voilà. Alors excuse-moi parce que j'ai tu pas fait... Tu fais des tractions peut-être ? Bah j'ai pas été à la salle de sport ce matin. Et la Flying V est juste la guitare formidable pour ça. Oui. Tu peux... Toi aussi. Achète ta Flying V pour pouvoir t'exercer. Alors à voilà, la Flying V est une guitare capable de vous aider dans le sport aussi chez vous. Mmh. Donc pour... Je voulais pas aller à la salle de sport, vous achetez une Flying V. C'est parfait. Non, je déconne, la Flying V, j'adore cette guitare, c'est beau comme tout. C'est... Voilà, c'est... Juste le truc qui marche bien. Alors, du coup, les enfants, si vous voulez un ampli, c'est deux bons amplis. À voilà. Vous de faire votre choix. Nous, on aime les deux. On va donner notre petit ressenti sur les machines.
Mais on en fera d'autres comme ça. Dis-moi tout, qu'est-ce qu'on fait après? On s'inscrit? Eh ben, on tourne tes mécaniques comme ça, là, pour l'accorder. Voilà. Et on s'abonne à la chaîne YouTube et on nous suit sur les réseaux pour en savoir plus. Hein, oui. Toujours plus. Savoir qu'est-ce qui arrive, les nouvelles guitares. Toujours plus, les nouvelles guitares, les trucs qui arrivent, les machins. La petite custom shop, par exemple, elle est arrivée il y a pas longtemps, là. Custom shop, regarde, tiens, regarde le derrière, toi, voilà. Alors, elle était neuve hier soir. Et je l'ai joué toute la nuit, et voilà ce que ça donne. Ouais. Vraiment, il faut que je fasse gaffe à mes guitares. Plus besoin de la team built. Faut que je fasse gaffe à mes grattes, quand même. Bah ouais. Mais franchement, je suis un peu dur. Alors voilà, venez voir les guitares, venez nous voir à Nantes, à Bordeaux, sur le site internet, likez sur nos réseaux, tous les réseaux d'ailleurs, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook et tout le tralala. Voilà. Allez-y, allez-y les enfants. En tout cas, nous, on était super contents de vous présenter deux petits amplifications à 700 balles, donc pas cher. Et on vous dit à bientôt. Salut.